Bonsoir à toutes et à tous, et surtout ne réglez surtout pas votre moniteur, votre smartphone, l'écran de votre PC, votre de votre télé. Mac. C'est normal, nous sommes complètement bronzés car c'est la rentrée. On revient de vacances, on est très heureux de vous retrouver. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Salut à tous, salut François, merci d'être avec nous pour cette reprise de 01 Live Hebdo sur 01net TV et ce sera comme ça, vous le savez, tous les jeudis soirs, euh, également en hiver, quand on que aura tu as... perdu notre bronzage. Oui, c'est pour ça qu'en en fait on va tout faire pour le conserver. On a acheté du terracotta, comme on dit. Ouais. Jérôme, est-ce que tu as passé de bonnes vacances Très très bonnes, parce Tu as que... décidé de te laisser pousser la barbiche comme ça, ouais, c'est ça J'ai un peu copié sur toi, euh, en fait. Bon. On dit prise Borseman comme ça, ça te va bien. Écoute-moi, tout allait bien. J'avais Wi-Fi, ordinateur, tablette, smartphone, voilà. Windows. Windows 10, Mac OS 10, j'étais le plus heureux des vacanciers. Voilà, il ne manquait plus que ta femme finalement. Puis après c'était bon. Non, mais elle était là quand même. Bon, alors au menu de ces 30 minutes de l'actualité high-tech, euh, eh bien, ce jeudi soir, beaucoup de choses, puisqu'on va revenir quand même aussi, Jérôme, sur euh, pas mal de gros titres d'actualité qui se sont déroulés durant cet été. Hein. Bah oui, on va essayer de vous faire un petit refresh. Si vous n'avez pas tout suivi, vous allez maintenant savoir ce qui s'est passé durant ce mois d'août. Et bien sûr, Windows 10. C'était un peu avant le mois d'août d'ailleurs, hein. C'était le 29 juillet précisément. Ouais. Windows 10, on va faire un petit peu le point euh, ben un mois après avec Eric Le Bourlou. Samsung nous a dégainé de nouveaux smartphones qui sont en train d'arriver sur le marché, notamment le fameux Galaxy S6 Edge Plus. Oui, heureusement que Christopher Simenili n'était pas à la plage. Hein. Il était là, euh, évidemment. Il a découvert ces smartphones pour nous. On va en reparler parce que c'est un événement. Hein. Euh, L'iPhone 6 Plus, un gros concurrent maintenant, c'est le Samsung Edge Plus. Il est très joli. On l'a eu entre les mains. Il est vraiment bien. On va en parler tout à l'heure avec David Noguera. Bon, sinon, il y a également des montres qui sont en approche. Elles ne sont pas tout à fait là. David va nous en parler. Il y a des smartphones très bon marché aussi qui arrivent et il y a même une nouvelle marque de smartphones qui se profile. Si on a le temps, j'espère, Eric nous en dira un mot. Voilà, on retrouvera aussi Delphine Sabatier, la directrice de la rédaction de Zero net qui sera là avec nous tout à l'heure. Et on va évoquer eh bien, YouTube qui a décidé de se plonger dans le gaming et concurrencer Twitch. On verra ça avec elle dans quelques minutes. Et puis côté labo, puisque 01 Live Hebdo, si par, grand, par hasard c'est la première fois que vous tombez sur nous, bien, il y a toujours cette séquence incontournable consacrée au labo, les spécialistes du labo de 01Net. Nous retrouverons François Bedin qui nous a préparé des nouveautés en matière de stockage des disques durs comme vous n'en avez jamais vu. C'est vrai que François adore les disques durs hein, quand mmh. même. Hein. Il a trouvé des trucs super. Et hein. vous savez que chez lui, il a une bibliothèque entière <laughs> remplie de disques durs. Alors, de ça clé, commence par les premier. C'était un disque dur de 16 mégas il y a quelques années et là maintenant on arrive jusqu'à 4 Teraoctets. François nous fera découvrir <laughs> ses disques durs tout à l'heure. Euh... Ah les disques durs de François Allez, soyez les bienvenus, c'est parti pour ce Zéro en live vidéo. on est ravis de vous retrouver et surtout, très bonne rentrée à vous toutes et à vous tous. Pas. But... Et bien sûr, on ne change pas une équipe qui gagne. Euh, tout à l'heure, nous retrouvons notre question ZeroNet Orange, Jérôme. Oui, et ben, la question, elle est même déjà en ligne en fait. Mmh. Vous allez sur tv.com et vous pouvez voter à cette question que nous vous posons cette semaine. Êtes-vous passé à Windows 10 Alors allez-y, oui, euh, je suis passé à Windows 10, pas encore mais j'y pense. Non, je reste sur une version précédente. Ou bien vous n'utilisez pas Windows. Voilà. tv.com pour voter. Et vous avez toujours cette petite euh, case que j'adore c'est autre. Voilà. On ne sait jamais. Hein ben oui. Autre, n'hésitez pas. Euh, on vous attend. On fera un point sur ce sondage tout à l'heure. Si vous voulez y répondre, zeronet.tv.com. Merci de nous suivre en tout cas sur YouTube, sur Dailymotion et puis sur Zeronet TV via l'appli qui a été mise à jour, Jérôme. Hein l'appli net.com c'est vraiment la meilleure appli euh, dédiée à l'actualité tech sur iOS. Et puis c'est le meilleur moyen de nous suivre et de tout regarder toutes nos vidéos. Bon, on en est où là Alors Windows 10 Ah, ben oui, Windows 10. Avec Eric Windows Le Bourlou qui est là. Eric. Salut Eric. Bonjour, bonsoir. Voilà, Eric Le Bourlou, rédacteur en chef du pôle actif de 01net.com. Eric a été l'un des tout premiers au monde à installer Windows 10 sur son ordinateur. Satya Nadella ne savait même pas que ça existait. <laughs> ouais, Qu'Eric Le Bourlou l'avait déjà sur son ordinateur, <laughs> les amis. Je crois qu'il oui. a codé Cortana. Je crois qu'il a, a codé Cortana. C'est lui qui a décidé de l'appeler comme ça, en fait. Ouais, on va l'appeler Cortana. C'est une réussite d'ailleurs. Revenir sur ce, ce, ce gros morceau d'actualité. Oui. C'était le 29 juillet dernier. Moi, voilà, avec pas mal de chiffres hein, qui ont été dévoilés euh, et notamment un petit tweet de Satya Nadella aujourd'hui. Ouais, alors il y a, oui, en alors, toute il... simplicité. Oui, oui. Alors effectivement, il... Microsoft vient de révéler pas mal de chiffres à propos de Windows 10, qu'on on, on, s'attendait un peu à ce qu'ils communiquent sur. Bah, le nombre d'installations, est-ce que Windows 10 était oui ou non un succès euh, bah, voilà, pour au bout d'un mois, un peu moins d'un mois. Mmh. Et donc on sait maintenant que Windows 10 a été installé en un peu moins d'un mois sur 75 millions de machines, euh, 75 millions de PC. Et que c'est donc plutôt un... Plutôt un bon chiffre. C'est plutôt un bon chiffre quand on le compare à Windows 8, hein, qui était sorti euh, quelques années plus tôt. On était en un mois à à peu près 40 millions d'ordinateurs installés euh, sous Windows 8. C'est bien alors. Donc c'est mieux. En revanche, par contre, Windows 8, Windows 10 étant gratuit, euh, Windows 8, ce n'était pas son cas. Donc effectivement, mmh. on peut, on peut, on peut, voilà, oui. on va voir. Euh, Les chiffres sont si, un peu faussés, on va dire. On va voir si le, voilà, si la tendance continue. Ce qu'on voit en fait, par contre, sur la tendance des premières semaines, c'est qu'il y a eu beaucoup d'installations au début et que là la courbe a tendance à fléchir un peu donc on va voir si bah, Windows 10 continue à, à grimper mais en tout cas il a, il a pris à peu près 6% de part de marché euh, de tous les OS on va dire 6% de part de marché des OS ce qui est pas négligeable quand même D'accord. Bon, alors Windows 10, moi personnellement, je l'ai installé sur mon ordinateur. Alors moi aussi. Euh, juste après. Alors, oui, <laughs> Jérôme l'a installé sur son Mac, sur Mac quand même. Ça marche très bien. C'est ah, ouais, ouais. ouais, ouais. ma nouvelle copine. Tout à l'heure, il m'a fait un coup. Il m'a dit Tu vas voir, je suis sur Mac et je vais te, je vais parler à Cortana. Ouais, alors, regarde, regarde. Hey, Cortana, raconte-moi une blague. Évidemment, ça voilà. Ça. Et voilà, la blague. D'ailleurs, <laughs> c'est oh, la meilleure oh, blague de, ça, meilleure blague de Cortana, si je puis me permettre celle-là. Hé Cortana, tu dors voilà, Elle donc dort. ça c'était bien. Euh, heureusement qu'on n'est pas en direct, hein, parce que imaginons <laughs> que nous étions en direct, on passerait pour des. D'ailleurs, Microsoft a aussi marché. annoncé que Cortana avait quand même, depuis un mois, raconté 500 000 blagues. Hein, oui. parce qu'il y a 500 ah, 000... c'est le premier voilà. truc qu'on fait. Voilà, hein. c donc c'est un des usages principaux de Cortana c'est raconte-moi une blague, effectivement. Mm -hmm. Bon, après, mm -hmm. euh, faudra il faudra qu'il développe un peu Cortana pour qu'il oui. soit plus utile, mais en tout cas, pour les blagues, c'est apparemment assez efficace. Y a oui, et puis et bon, elles sont quand même assez. On va dire, il y a du bon et du moins bon en matière de blagues chez Cortana. C'est plutôt du niveau Exactement. Euh, alors oui, moi, alors moi je disais que je l'avais installé sur mon PC. C est, c est, franchement, c'est une... une pour l'instant, une belle réussite hein, Windows 10. Hein, oui, oui, avec une belle ergonomie, euh, une rapidité, j'ai l'impression que c'est même encore plus rapide que Windows 8. Oui, c est, c est un, on n'a pas encore fait de test vraiment pointu pour comparer Windows, 10, Windows 8 et Windows 10, mais euh, effectivement, on se rend compte à l'usage que c'est extrêmement euh, rapide, que c'est léger. Il euh, y a aussi notre réussite pour moi dans Windows 10, c'est le navigateur. Alors, on a beaucoup glosé sur est-ce que Microsoft va réussir, oui ou non, à faire un bon navigateur. En fait, Microsoft Edge est assez rapide et même plus rapide que certains de ses concurrents bien connus, prend moins de place en mémoire. Par Et exemple, il... si on le compare à Chrome. Il tient. la concurrence. Il tient tout à fait la concurrence à Chrome. La seule différence, en revanche, c'est qu'il a moins de fonctions pratiques qu'on connaît dans Chrome et il n'y a pas d'extension encore suffisamment développée pour que ce soit vraiment intéressant pour un power user. Mais en revanche, c'est un plutôt un navigateur très rapide et qui n'est pas trop lourd en mémoire. Et c'est plutôt bien, quoi. <laughs> J'ai même les messages d'erreur de Windows sur Mac. Allez, Jérôme, tu veux réessayer Cortana réessayer. pour te ridiculiser totalement à jamais ou pas Et hey Cortana, raconte-moi une blague. Quelle est la puissance d'un cotontige 2 watts. Pas mal. Elle est bien, elle est drôle. Ah oui, 2 watts, d'accord. Ouais, ah oui, ouais. voilà. ça c'est bon. Hein. Ouais. Ben, heureusement non, que c'est gratuit Windows 10, hein, va finalement. C'est les... un ce là. Non, hein, je comprends hein. mieux. Bon, ça, ça marche, en tout cas ça marche. Est-ce qu'il y a beaucoup de bugs Est-ce qu'il y a eu, euh, on va dire, beaucoup de mécontents et Ce sera la dernière en... question après l'installation. Qu il faut pas, de pas tout de dire 10. sur Windows. Il oui. y, 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 y a eu effectivement des mécontents il y a eu des problèmes à l'installation pour certains utilisateurs qui se retrouvaient avec un PC qui ne fonctionnait plus parce il a, a, a... y a eu un problème dans l'installation et ça, ça a posé pas mal de problèmes. Et il y a aussi quelques mécontents vis-à-vis -vis de la vie privée, puisque Windows 10 s'avérerait euh, un petit peu plus indiscret que ses ancêtres, ouais, il y a une et enverrait en fait, effectivement des informations, puisque quand on installe Cortana, évidemment, vous communiquez avec les serveurs de Microsoft, vous communiquez en permanence avec Bing quand vous faites des recherches. Donc ça, ça ne plaît pas à tout le monde. Heureusement, il y a des petits outils qui permettent en fait, de euh, voilà, désactiver ce genre de fonction pour les gens qui n'aiment pas trop euh, voilà, voir, échanger des informations avec Microsoft. Voilà, très bien. Alors, je propose qu'on s'arrête là sur Windows 10, oui. parce qu'on y reviendra, François, prochainement. Euh, prochainement. Exactement. Hein, à l'occasion d'un live sur, d'une manière générale, tout ce qu'il faut savoir pour cette rentrée 2015, à la fois en termes de logiciels, mais aussi bien sûr d'achat de matériel. Voilà, on fera une émission en direct pour évoquer le back to school hein, comme on dit dans le jargon ouais. commercial de la rentrée dans le domaine du PC. Faut-il prendre une tablette Plutôt un PC Que penser de Windows 10 Est-ce que, si moi, par exemple j'achète un PC euh, à la rentrée qui n'est pas euh, sous Windows 10, est-ce que je pourrais installer Windows 10 gratuitement On répondra à toutes ces questions mmh. très bientôt. On vous euh, tiendra au courant concernant la date de ce live. Alors cela dit, comme euh, chaque semaine, vous pouvez malgré tout poser des questions oui. sur d'autres sujets ce soir, comme d'habitude sur Twitter avec l'hashtag #01live. 01 Exactement. On vous attend. On est connecté. Voilà. Alors c'est même si c'est les vacances, hein, même si vous êtes encore au bord de la mer, euh, connectez-vous et envoyez-nous vos petites questions. Alors, autre événement très important euh, cet été, alors que tout le monde, ou presque, était en train de bronzer les doigts-pieds en éventail. Eh bien, c'est euh, Samsung qui a dégainé euh, un gros morceau, hein, David. Exactement. Ben, ça, on a un peu l'impression que c'était euh, pour griller la politesse à Apple, qui, qui fera lui aussi ses annonces euh, début septembre, donc euh, tout bientôt, à priori, une quinzaine de jours, euh, en annonçant le S6 Edge Plus. Donc, euh, grosso, modo, à dire. Ouais, <laughs> ouais, grosso modo, exactement. Grosso modo, c'est un S6 Edge. Cette fois-ci, techniquement, en tout cas, avec les deux bords d'écran courbés et un écran un petit peu plus grand, puisqu'on est maintenant sur 5,7 pouces. donc un petit peu plus grand que les 5,5 d'un iPhone 6 Plus et bien plus grand que le 5,1 du euh, finalement euh, S6 Edge classique. Alors donc la même base euh, matérielle de l'exynos 7 euh, avec euh, processeur 8 cœurs etc. Donc ça en fait quand même le smartphone le plus puissant du moment. Forcément à 800 euros c'est un peu c'est un peu ce qu'on demande. Il est très très joli. Ouais, Alors on l'a on l'a vu oui. hier, je l'ai manipulé, hier on, on l'a reçu. Ouais. Alors il a, il a ce, ce même revêtement un peu un peu glissant toutefois, un peu sur l'arrière. Ouais. J'ai un peu peur que, 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 que finalement qu'il glisse des mains. Donc, donc on l'a maintenant en test, les tests sont en cours. Euh, probablement une publication. Le problème, c'est que c'est des smartphones. Ce, ce modèle, en plus, il a une batterie encore plus performante, donc il va être encore plus endurant. Donc, mmh. euh, c'est des tests qui vont prendre un certain temps avant de devenir complexes. Les bah, enfin, on hein. a déjà des, 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 des scripts d'autonomie qui euh, nous permettent de laisser tourner les smartphones et euh, les solliciter ouais. comme ça, mais il faut s'attendre quand même à, à de belles performances. Donc, euh, visiblement, sur mmh. ce S6 Edge Plus, c'est surtout de l'amélioration logicielle avec des fonctionnalités vidéo, la possibilité de, de, pardon, de broadcaster directement sur du YouTube. Donc, surtout des améliorations. Soft avec leur nouvelle version de SiteSync qui permettrait même de jouer à des jeux Android donc SiteSync c'est cette capacité à synchroniser le smartphone avec son PC mmh. donc de jouer à des jeux Android sur son PC. Un petit peu plus de mémoire vive aussi sur ce uh, S6 Edge Plus euh, avec 4 Go au lieu de 3 pour pour l'ancien modèle. Donc Et puis visiblement un écran magnifique, un, hein, un, un écran avec un qui est superbe vraiment. Alors si vous euh, n'étiez pas à l'écoute donc cet été hein, des événements euh, de l'actualité high tech, il y a eu un autre smartphone qui a été présenté mais que malheureusement on risque de ne pas voir en France. Oui, alors assez. Euh, alors, je ne sais pas si, si c'est de. Oui, Fox. Non, 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 le Galaxy Note 5. Ah, oui, le, note, pensais, ah pardon, oui, le Note 5, 5 exact, exactement. Ouais. Alors ça, c'était la grosse surprise, c'est qu'effectivement mmh. le Note 5. J'ai vu David qui s'est dit. Ouais, de parle quoi il parle Mais effectivement, question... ça, c'est parce que Wiley <laughs> Fox sera bien dispo. Mais oui, oui, effectivement, il y, y aura le Note 5 de, de Samsung qui ne sera pas dispo. C'était la, la grosse surprise. C'était ça a été annoncé, ce n'était pas sûr, pas vraiment sûr. Voilà, exactement. Là, a priori, ils auraient, enfin, Samsung considérerait que le stylet sera surtout utile pour effectivement la Corée où les gens utilisent beaucoup le, le, le grand écran ouais. et le stylet pour dessiner des caractères etc donc pour l'instant pas de note 5 en france mais ça prouve quand même que le, se sur le 6 le stylet euh, et le galaxy note n'est pas un succès en Europe hein. non. Euh, non. voilà on bon c'est bah, euh, de se demander aussi si samsung n'a pas voulu voulait pas elle n'avait pas peur de cannibaliser en fait le, le, le Galaxy S6 les Edge, plus. Edge ouais. <laughs> euh, avec le Galaxy Note 5 en ayant deux, deux modèles très, euh, très, très proche, similaires finalement, finalement. Est-ce que ça n'allait pas un peu cannibaliser les ventes exactement. de leur Parce modèle Parce qu'ils ont de grosses ambitions regard. en termes de voilà. vente sur ce produit-là, sur le Pour l'écran et... recourbé comme ça, ouais. c'est aussi un, sur, un facteur alors, de le, différenciation. Le, le S6 Edge, il est courbé sur la face avant le Note 5, c'est à l'arrière. Ouais, bon, ça a cela dit, chose, on, on ouais. l'a échappé belle, puisqu'apparemment il a un problème, hein, ce Note 5, il... Bon. il y a un bug au niveau <laughs> du style. Si on il peut pas le, à le remettre meilleur, à l'envers. Un un le énorme défaut de conception. Ouais, parce que on se demande pourquoi Samsung n'y a pas pensé, mais effectivement, quand on met le style à l'envers, eh bien euh, bah, on peut le casser, il rentre, enfin, il rentre il mais ne, il ne il peut ne pas sortir. Oh et on Dieu. peut endommager le téléphone si on le force. Donc euh, et Samsung dit simplement comme réponse bah Vous aviez qu'à le manuel. <laughs> et, et, il oh, bien, bon. et il faut bien que vous, vous installiez votre stylet à l'endroit et non à l'envers. Voilà. Voilà. En gros, gros débrouillez-vous. Parce qu'il aurait dû y avoir un détrompeur pour pas ah, que puisse évidemment. évidemment. Ça me rappelle cette ce ce histoires d'antenne et de bumpers. Bah, ça, ouais, ça, ouais, ouais, ça, ouais, ça commence à s'appeler ouais. d'ailleurs le Pen Gate, hein, tout simplement. Ouais. Alors, allez, <laughs> à l'image d'autres gates qu'on a connus avec Apple. Bon, qu'est-ce qu'on a eu d'autre Toujours chez Samsung, Gear S2. Alors, c'est de la. Petite euh, annonce, puisque ça sera effectivement dévoilé au moment de l'IFA. Euh, la Gear S, c'était cette montre courbée de Samsung qui fonctionnait sous Tizen, donc l'espèce de gros placard qu'on pouvait avoir au poignet. Là cette fois-ci nouveau design écran rond. C'est euh, ça a été un vraiment c'est une minute de la fin de la présentation donc de cet, cet événement Samsung Unpacked dans lequel on a vu donc les, les nouveaux S 6 Donc ce sera Et, la première euh, montre ronde voilà, de, Samsung. de Samsung exactement mais qui fonctionnera de nouveau sous Tizen. On l'a vu du coup au travers de quelques petites quelques petites démos qui aura des applications donc Nike Plus la possibilité de prendre ses fréquences cardiaques avec donc sans doute un, un capteur au dos de la montre mmh. donc voilà donc de nouveau on se Rendez-vous le 3 septembre en pour en savoir un peu plus. Ça. Ouais. Exactement. Ouais. Il y a une autre montre. Une autre également. montre, Moto 362. Donc euh, cette fois-ci, pareil, hein, c'est euh, la nouvelle montre de, de Motorola. Là encore, pas beaucoup de changements. A priori, quelques petites modifications sur l'emplacement du bouton qui sera un petit peu plus bas, le micro un peu plus haut, et puis surtout, euh, là on le voit, le bracelet était dans le vraiment serti au niveau du cadran sur la Moto 360. Là, on se retrouve avec une, un système de, de monture plus classique dans l'horlogerie, avec euh, donc une, euh, un, un bracelet qui vient à fleur du cadran, 22 mm et un cadran un petit peu plus fin. Donc, pour l'instant, pareil, c'est de la micro-fuite de, de photos qui, qui ont circulé sur, sur le net, mais ça sera là aussi une grosse annonce de l'IFA. On y sera bien évidemment à hein, cette IFA, hein, ce grand salon à Berlin euh, dédié à la high-tech. Ça commence la semaine prochaine, on y sera dès mercredi, les amis, pour vous faire vivre ce salon jusqu'à la fin de la semaine avec un live jeudi soir euh, entre 18h et 19h, 1h, pour découvrir toutes les nouveautés de ce salon. Et évidemment, ce sera sur Zéronet TV. Euh, rapidement, est-ce qu'on dit un petit mot également du. Il y avait des nou du nouveau OnePlus chez LG 2 ah, ah, du LG. Alors, LG, LG, effectivement, a, a décliné son G4 en différentes versions. Il euh, y a du G4 Stylus, du G4C, donc plutôt une descente en gamme pour les rendre un petit peu plus abordables et avoir la finition LG et une surcouche finalement d'Android qui va bien. Euh, L'autre la annonce était OnePlus 2, donc mmh. 400 euros. Le smartphone qui, grosso modo, veut vous en donner toujours plus pour un prix très attractif. Et Alors, finalement. Euh, c'est pas le, le, le vrai monstre de guerre qu'on pouvait euh, attendre. Alors, il a bien un super processeur Snapdragon 810. Le problème de ce processeur, eh c'est qu'il chauffe. Ouais. Et pour limiter la chauffe, eh bien, il a fallu downgrader un petit peu les performances du processeur. Et donc, on se retrouve avec quelque chose qui tient la route, y compris du coup, au niveau des performances, y compris au niveau de l'autonomie. Mais. Au niveau du standard de l'écran, par exemple, bah, petite déception, c'est un 5,5 pouces full HD. Donc on n'est plus sur des standards comme peuvent les imposer Samsung, LG, etc., avec des écrans quad HD. Mais a priori, un, un beau modèle quand même, et surtout à 400 euros, le seul modèle qui aurait ce lecteur d'empreintes digitales qu'on a vu à l'image, et un autofocus laser et un stabilisateur optique qui font la différence sur la prise de photo. Donc Il est, est déjà est... disponible, on peut l'acheter Il est dispo et on l'a même déjà testé sur, sur ZeroNet. Voilà. Très bien. Il y, a G, il y a aussi LG qui a sorti un G4 avec cette fois-ci un stylet. Alors Exactement. C'est ouais, étonnant, stylus. on parlait tout à l'heure ouais. du Galaxy Note 5 avec un stylet qui ne sortira pas en France. Euh, LG sort un G4 avec, avec stylet. le stylet. Exactement. On a encore le test, une vidéo même, je crois, euh, prévue sur Oui, sur elle arrivera la, euh, demain, soir. demain soir sur Zoranet TV. Euh, rapidement, euh, on ne va pas... Pouvoir détailler, mais sachez qu'il y a eu également eu des annonces en matière de smartphones très bon marché. Exactement. Et du coup, euh, ça vous a donné l'idée de faire un comparatif sur ah bah, rentrer, rentrer oblige. Hein, ouais. alors, euh, si on a des ados à la maison euh, qui, qui vont rentrer au collège, on se dit toujours bah, c'est peut-être le moment de lui offrir un téléphone et euh, pas question pour ça d'y mettre beaucoup d'argent. Ouais. Donc l'idée du smartphone. Si c'est le premier, téléphone. Exactement. Ouais. Donc sur zéro Net, on avait un classement permanent qui existe toujours sur les smartphones à moins de 200 euros. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, bah, on peut déjà avoir des solutions intéressantes à moins de 130 euros. C'est-à-dire que génial. le premier modèle c'est 99 euros. Et on a un, un modèle, alors c'est pas juste du Huawei ou du Wico où on a des, des marques comme, enfin parce qu'il y a aussi du Carrefour, mais on a des marques comme Orange, Motorola, Alcatel. Et alors, en l'occurrence, bah, l'un des modèles qui est le moins cher, c'est un modèle orange, le Roya, qui est à 100 euros. Et, alors je ne peux pas trahir le classement, mieux vous aller le voir en ligne, mais mm -hmm. qui, qui se place parmi les bons modèles. Donc, ouais, c'est plutôt qui est 4G, bien évidemment. Qui est 4G, enfin, voilà, la 4... moyenne des écrans, c'est 4,5 ouais, pouces. Oui, est donc, pas... est plus, on n'est plus sur du low cost. commence à être du et On peut euh, évidemment euh, voilà, avoir tous les services que peut rendre un smartphone, hein, de la photo, au jeu, etc. Exactement. Super. On retrouvera ce classement donc sur 01net.com. Ouais. Merci beaucoup, David. Merci David. Et puis, euh, bah, je l'avais évoqué très brièvement, euh, même si Eric a tiqué, il y a un nouveau constructeur de smartphones qui fait son apparition. Oui, il sort de nulle part. D'où il, il sort de nulle part. Ils n'existaient pas il y a à peu près, on n'avait pas entendu parler d'eux il y a une semaine. Et puis voilà, ça. ils arrivent. Au il ils sont britanniques et ils s'appellent Wiley Fox. Euh, Fox. Alors, ils ne sont pas nombreux hein, dans la boîte, je crois qu'ils sont 5. Euh, mais je, mais je crois sont... qu'on les a tous vus au laboratoire. <laughs> mais euh, ce qui est étonnant avec ces, avec ces, avec ces smartphones, c'est surtout leur OS. Alors, euh, ils sont très joueurs ils sont je ne je, je suis pas spécialiste comme David des, des, capa des capacités techniques mais euh, moi ce, que, ce qui m'intéresse plutôt de mon côté c'est le côté logiciel et, et, et pourquoi parce qu'il tourne avec Cyanogen euh, qui est une version on va dire dopé euh, d'android euh, donc il se tourne avec Cyanogen 12 qui est la dernière version de Cyanogen et ça c'est assez surprenant euh, c'est le premier on va dire euh, vrai téléphone il y a eu le one plus hein, évidemment mmh. qui tournait sur Cyanogen mais ça y est, c'est fini, OnePlus a quitté Cyanogen pour faire son propre, sa propre version euh, d'Android. Et là, maintenant, on voit le premier smartphone sous Cyanogen 12. Donc, euh, c'est assez intéressant de le voir. Et euh... donc, c'est parfait pour les bidouilleurs, hein, pour tous ceux qui aiment... Euh... Alors, c'est bien pour les bidouilleurs. Ils peuvent évidemment le router s'ils ont envie, mmh. mais ce n'est pas fait, un téléphone fait pour les bidouilleurs. C'est-à-dire que quand vous l'achetez, la, il n'est pas routé. Il mmh. faut installer de nouvelles applications pour euh, en faire ce que vous voulez faire. Euh, ça reste un téléphone grand public, parce qu'en fait, ils ne veulent pas, ils veulent pas faire un, 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 vendre un téléphone qui est trop compliqué pour le, pour les, pour le grand public, on va dire. Donc c'est Will oui, ouais. et Fox. Will et Fox. Il y en a deux. Euh, Swift non. et Storm, euh, 279 pour le Storm et 179 et on pour, pour le Et on les trouve facilement Alors on les trouve en ligne a priori. Ouais, euh, ouais. Et euh, effectivement, ils vont. Euh, ils, alors euh, je, pour, pour, la distribu, pour la distribution, pardon, je ne sais pas combien de, euh, sous combien de temps ils sont dispos. Ils sont ils dispo, disponibles incessamment sous peu. Mais euh, effectivement, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que c'est un premier smartphone sous Cyanogen 12. Merci messieurs pour ce petit refresh Merci. de l'actu de l'été. Ça continue sur The Live Hebdo. Tout à l'heure, euh, François Bedin et ses disques durs et ses clés USB. Mais tout de suite, c'est Delphine Sabatier pour la chronique Zoom Actu. Et avant de retrouver Delphine Sabatier, un mot aussi sur notre sondage hein, qui se poursuit sur 01nettv.com, notre question 01net Orange. Euh, voilà, Est-ce que vous, vous êtes passé à Windows 10 est-ce que vous avez craqué Il est sorti il y a un mois, tout pile, ce Windows 10. Dites-nous, euh, on fera un point sur le sondage dans quelques minutes. Delphine Sabatti, la directrice de la rédaction de zérohonnête.com, est avec nous. Bonjour Delphine. Bonjour. Et comment allez-vous bah, ravi de vous retrouver. C'est chouette Delphine. la rentrée. Ouais, C'est pas mal la rentrée. Chouette. Vous habitant. nous avez manqué pendant toutes ces semaines. Pareil. Euh, Delphine Sabatier qui, vous le savez, dans le Zoom Actu, chaque jeudi soir dans, Zéro, dans ce Zéro en live hebdo, fait un point sur un sujet d'actualité. Oui, et Je aujourd'hui, trouve... jeux vidéo, jeux vidéo et YouTube. YouTube, bon, le géant de la vidéo en ligne et il se lance, euh, YouTube, dans le jeu vidéo. Clairement, euh, il s'agit de s'attaquer au numéro un mondial du secteur Twitch, leader du streaming. Alors, YouTube, est-ce qu'il propose des choses en mieux alors, effectivement, lancé hier aux États-Unis, on l'a dit. Euh, ce qu'on sait moins, c'est que c'est quand même disponible depuis la France. Donc, je vous invite à vous y connecter. Comme ça, vous pourrez vous faire aussi votre propre opinion. Pour les applis iOS et Android, en revanche, il va falloir attendre un encore, encore un petit peu en Europe. Donc, l'intérêt principal, c'est quand même que toute, toute l'offre de gaming de YouTube est enfin regroupée. On y trouve les lives, les vidéos de YouTubeurs. C'est un vrai site dédié avec sa propre URL. Euh, on peut voir donc des YouTubeurs qui se filment en train de jouer, des parties. De Jeux en réseau en direct, on passait à des compétitions d'e-sports et côté fonctionnalités on on a accès, alors c'est assez classique, mais aux commentaires. On peut aussi attribuer des pouces levés, des pouces baissés, euh, mettre en favori, participer au chat, s'abonner à la chaîne du gamer ou d'une team. Euh, voilà euh, ce que vous pourrez voir déjà aujourd'hui. Alors, YouTube Gaming fait aussi d'autres choses. Il fait des suggestions de chaînes de gamers, de jeux aussi tendances, et euh, certains jeux ont même leur propre page d'accueil où on regroupe, là encore, toute l'offre euh, proposée. Donc, je dirais que l'interface est assez euh, réussie, surtout pour les gamers. Je pense que c'est assez il euh, y a une fonction aussi qui va beaucoup leur plaire, qui est euh, la possibilité de revenir quatre heures en arrière sur un direct. C'est génial. Voilà, parce que parfois on veut voir une compétition en live et on arrive en retard eh ou on ne s'est pas réveillé parce que c'est la nuit. <laughs> et ben on peut venir quatre heures en avant et c'est plutôt sympa. Donc ça fait quelques différences avec Twitch, mais après restera à voir si la qualité suit, mmh. si les fonctionnalités sont encore enrichies et puis surtout si euh, YouTube Gaming arrive à fidéliser les gamers oui. à créer des vrais rendez-vous. Parce que Twitch aujourd'hui est le, 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 la plateforme incontournable pour les joueurs aujourd'hui qu'est-ce que ça représente Twitch aujourd'hui Alors lancé en 2011 euh, c'est assez énorme aujourd'hui, ça a été racheté déjà pour 1 milliard d'euros par Amazon l'année dernière d'ailleurs pour la petite histoire YouTube voulait s'offrir Twitch, et eh ben non, hop c'est Amazon qui l'a fait, donc là c'est un peu l'heure de la revanche. Euh, 100 millions de visiteurs par mois pour Twitch et puis 1,5 million de diffuseurs de contenu sur la plateforme. Il y a une étude qui a montré que c'était le quatrième site le plus important en termes de trafic au monde en 2014. C'est monstrueux. Assez impressionnant. Et puis c'est surtout un vrai réflexe aujourd'hui pour, pour les gamers. Ouais. Donc YouTube. Pas facile parce que la plage était déjà occupée. En même temps, il peut compter quand même sur ses bons youtubeurs. Par exemple, la chaîne la plus regardée sur YouTube aujourd'hui est la chaîne d'un gamer, Pio Didi, qui a 38,9 millions d'abonnés. 38,9 millions d'abonnés, c'est incroyable aujourd'hui. Et Squeezie, dont mon fils est fan, il se laisse <laughs> pas pendant des heures, il peut le regarder en train de jouer. Bon, bah alors, donc, dans cette bataille Amazon contre Google, finalement, euh, qui peut gagner alors, j'ai d'abord une petite pensée pour le français Dailymotion, qui a aussi lancé sa plateforme en début d'année. Dailymotion Games, qui est encore en version bêta. Alors, on se trouve aussi des lives, des vidéos comme YouTube, et plus positionné, je dirais, sur le Pourquoi Dailymotion s'est lancé aussi là-dessus Parce qu'il avait constaté déjà qu'il faisait 180 millions de vues rien que sur le jeu à l'époque. Donc, on voit que c'est un marché qui est de plus en plus important. Qui aiguise beaucoup d'appétit. Euh, une des questions pour moi, c'est est-ce qu'il y aura assez de revenus finalement pour euh, tous ces compétiteurs oui. Voilà, Éternel donc ça va peut-être prendre un peu de temps, mais il y aura peut-être des morts. L'autre question, c'est la revanche Google-Amazon, qui va gagner Ça, c'est quand même un jeu assez palpitant. Mm -hmm. Et puis, un troisième point, je pense que c'est intéressant de voir aussi si YouTube finalement a intérêt à décliner ses euh, versions. Là, il y avait un grand YouTube qui rassemblait tout, qui était très puissant. Il décide déjà d'extraire de, de, le jeu. Est-ce que c'est intéressant Est-ce qu'il faudrait faire aussi sur d'autres thématiques. Très bien. Alors après, la question qu'on peut se poser aussi, oui. c'est vrai que Twitch est très bien installé aujourd'hui. Euh, ça devient un réflexe hein, pour tous les fans de, de jeux vidéo. Est-ce que YouTube va, va réussir à inverser cette vapeur C'est ça. ça qui va être intéressant. Il faut vraiment une bonne interface. Ouais. Et je pense aussi que les rendez-vous d'esport sont assez euh, importants mmh. pour les gamers. Très bien. Euh, un petit mot de la question 01Net Orange. Tu oui. le disais, François, juste avant la chronique de Delphinet, vous passez à Windows 10, voici la tendance. Oui, c'est fait à 70% presque. Euh, pas encore, mais j'y pense, 15%. Je n'utilise pas Windows, 10% et 8% environ qui veulent rester sur la version précédente de Windows. Oui, moi, j'ai version, la version Windows XP, j'adore, je ne vais pas bouger. <laughs> elle est très, est, bien, est, elle est très bien, très bien, Windows super. XP. Vrai. Bon, euh, on revient dans un instant. On a Di une info qui vient de tomber là. Eric me parle derrière les caméras. Alors, hein. Eric, voilà. il a qu'à s'installer voilà, puisque allez, Eric je était, je était, je était derrière les coupe, téléscripteurs. Exclusive. Exclusive. Je viens juste pour vous le dire parce que voilà, Apple vient de lancer les invitations pour sa conférence de presse. Ah, Amazon. ça c'est bien, Eric, ah. bravo. C'est le 9. Et donc, et donc, ce sera bien le 9 septembre. Super. Euh, ça et tombe bien, on est prêt pour le 9. À 10h, donc à 10h heure locale. Euh, donc, à 19h heure française. Et dans cette fameuse salle qui ne sera pas la salle traditionnelle, ce sera au Billgram Auditorium, je crois qu'il s'appelle comme ça, Center, Civic Center ouais. pardon et c'est une immense salle. Euh, donc ah, on, donc your... on va voir ce que nous réserve Apple pour cette conférence. Et euh, l'invitation presse euh, joue sur Siri. Elle s'appelle Siri, give us a hint, Siri donne-nous un indice. Voilà. <laughs> donc ça vient de tomber, Apple fera bien une conférence le 9 septembre euh, à 10h heure locale. Bon alors bien évidemment, vous vous en doutez, nous serons là avant, pendant et après cette keynote pour vous faire vivre tout ça en direct avec les analyses, les points de vue de chacun d'entre nous. Et puis dès que les produits seront disponibles, vous les verrez en avant-première sur 0 Net TV. Vous vous pouvez nous faire confiance. Et voilà, c'est ça, 01 Live Hebdo. C'est en direct. Merci eh oui. pour cette news, Eric. Merci, à Eric. Allez, on va retrouver tout de suite François Bedin pour euh, bien donc ce détour obligé dans 01 Live Hebdo par le labo. Donc, oui, on le rappelle, hein, le 9 septembre, euh, la grande soirée euh, live concernant Apple, on peut imaginer, hein, Jérôme, que les nouveaux iPhone 6, donc iPhone 6S et iPhone 6S Plus, sortiront ouais. quelques jours après. Donc, ce euh, sera aux alentours du 18 euh, septembre. On aura l'occasion d'en reparler. Il est là avec nous, François Bedin. Salut François. Voilà. Me Bonsoir voici. François. Merci d'être avec nous, François. François qui est venu avec ses petites boîtes. Regardez-les. Voilà les boîtes que j'ai sorties de ma bibliothèque, comme tu l'as dit. <laughs> ah, t'as vu Je suis sûr ah. que tu as des vieux disques durs cachés quelque part non, chez non, toi. Ils ont déjà été remplacés par des nouveaux. Bon, très bien. Parce que le. Évidemment, il y a, là, y a, y a beaucoup d'innovations dans le monde du stockage. Hein. Voilà, on pensait en fait qu'en termes de capacité, ben, ils allaient s'arrêter. Voilà. Eh bien non. Donc, euh, on était resté en matière de disques durs portables. On en était resté à 2 téraoctets. On a vu quelques annonces Pouh sur des 3 teraoctets, mais en fait, on les a jamais vraiment vues. Et là, tout d'un coup, deux disques de 4 teraoctets viennent d'arriver. Paf Ils sont là. Jérôme a 8 teraoctets tera dans les mains, les amis. C'est énorme. En mais... ah plus, moi, je kiffe grave ce, ces, ces trucs-là. Alors, le premier euh... est signé Samsung oh, et le deuxième aussi. est signé Seagate. Et en fait, il faut savoir ah. que et derrière Samsung. Il y a Seagate, <laughs> parce que Seagate a la division disque de Samsung. Ah oui, donc en fait, il y a que l'emballage qui change, là, non Voilà, l'emballage et les logiciels. D'accord. Mais autrement, voilà. c'est le même. Peut-être peut quelques petites choses dans le firmware qui font que les performances ne sont pas tout à fait les mêmes selon les types de fichiers à transférer. Comment arrive-t-on à stocker 4, 4 téraoctets de données dans ce petit truc bah A priori, ils ont un petit peu changé la densité d'enregistrement qui fait qu'on peut mettre plus de données par plateau, puisque dans un disque dur, il y a un ou plusieurs plateaux. Là, en l'occurrence, il y en aurait normalement 5, si je me trompe pas, 5 plateaux de 800 gigaoctets. D'accord. Donc là, on est d'accord, c'est pas du SSD, hein c'est du, bon du, du bon vieux disque avec dur, avec du plateau, voilà. etc. Là, l'objectif, c'est vraiment de tout embarquer avec soi, euh, voilà, avec un, sur un disque dur portable. 4 téraoctets, c'est gigantesque. Énorme. Énorme. Quelle est aujourd'hui la limite en SSD, François En SSD, Samsung vient d'annoncer des 2 Teraoctets. Alors après, il y a d'autres SSD complètement délirants qui dépassent cette capacité, mais en matière de SSD grand public, là, on vient d'atteindre les 2 Teraoctets. On, on se rend compte que, mine de rien, l'écart se réduit. Euh, on se souvient qu'il y a encore mmh. quelques années, on avait 1 euh, Teraoctet sur disque dur traditionnel et on arrivait à 128 Go sur des clés USB, des, 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 en tout cas du SSD. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une accélération sur le SSD. 2 Teraoctets, c'est énorme. Ah, c'est la différence, c'est le prix quand même. Voilà, c'est le prix qu il il qui va faire. Euh, c'est voilà, vraiment le prix. C'est pour ça que, par exemple, sur les PC de bureau, beaucoup de gens mettent un SSD pour le système et un vrai disque dur pour, les données. pour les données. Puisqu'on parle du prix, ça veut combien ça, ça en en coûte. Cela. Le le Samsung coûte 250 euros. Enfin, on peut le trouver sur les sites de vente à 250 euros. Et Seagate l'a annoncé à 280 euros pour ah. son modèle. Mais le prix pourrait sûrement baisser par la suite quand il sera vraiment en vente parce que le Seagate n'est pas encore en vente. Bon, super. Alors, un autre disque dur, François, qui lui a une particularité liée à la sécurité. Ouais. Je te le passe. Donc, Alors. Ouais. Ce disque dur existe wow. déjà. C'est Buffalo il a, il qui le fait. C'est donc un, il a, un, 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 donc câble USB. un disque il dur pour les paranos puisque c'est un disque dur avec chiffrement matériel, c'est-à-dire que les données sont chiffrées au moment de l'enregistrement et donc un méchant pirate ne peut pas les déchiffrer s'il n'a pas le mot de passe. C'est le disque dur de James. Donc de ça, c'est quelque chose qui existait déjà, mais au Japon et aux États-Unis, eh ben la société Buffalo en fait encore mieux ouais. que ça. Regardez les images d'ailleurs hein, pendant que tu parles. Ouais. Voilà. Donc la, la, avec une carte, il n'y a plus besoin de mot de passe. Il faut une carte NFC pour déverrouiller le disque. Exactement. Donc il suffit quoi De mettre la carte sur le disque. Sur le disque et ça déverrouille le disque. Wow. Et donc, si voilà. on a perdu la carte, on et est bah, mort. As alors tu es <laughs> si on a perdu la carte, on peut choisir en fait d'avoir la carte et le mot de passe. Donc on peut se rattraper avec le mot de passe. D'accord. Ça dépend. Au moment la, la première, alors de la première utilisation, il donne plusieurs choix de, de, de sécurité en matière de déverrouillage. Donc. Euh. Alors ce qui est vraiment rigolo, c'est que moi j'ai fait quelques essais avec des cartes NFC. Avec une carte bancaire, j'ai une carte bancaire NFC, ça a marché. J'ai pu, pu remplacer la carte par une carte bancaire pour déverrouiller le disque. Mais, mais comment, il faut que tu reprogrammes la carte bancaire alors Non, 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 il suffit de dire euh, dans le programme de configuration que je change de carte NFC, de mettre l'ancienne et après de remettre la nouvelle qui est automatiquement ah, détectée. Ah, d'accord Il fait des trucs de fou ce François. Ah non, mais François, voilà. Poudin, alors, qui... la, mauvaise, qui... la mauvaise surprise ça a été, où on se dit NFC, il bah, y a sur les smartphones, sur les smartphones Android, il y a du NFC. Et oui. bien, hélas, là, ça ne marche pas. Ah C'est-à-dire qu'en fait, c'est un disque dur japonais qui ne marche qu'avec les smartphones japonais <laughs> NFC. Donc, euh, la version qui est vendue aux États-Unis ne marche Donc pas avec, avec les, les, smartphones. les smartphones. Et ben, en fait, pour l'instant, il n'est pas du tout vendu en France, ce modèle-là. Et là, on est à quel prix J'imagine que c'est plus cher. J'ai regardé aux États-Unis, il est à 170 euros pour un terrasse qui n'est pas très, très cher. Voilà, bon, j'ai voilà. toujours des données sensibles sur toi. Pour l'instant, Buffalo n'a pas décidé de le vendre en France. Alors, il faut savoir qu'il y a une version encore mieux ouais. pour les entreprises. C'est une version qui a euh, la sécurité et le NFC, mais qui a aussi un antivirus intégré. C'est-à-dire ah hum. qu'au moment où on transfère les données sur le disque dur, eh les données, les fichiers sont passés à l'antivirus. Oh. Ah oui, donc comme voilà. ça au moins on peut pas contaminer euh, voilà. un Voilà, donc c'est vraiment orienté rien, entreprise euh, ouais. parano, enfin qui veulent vraiment tout sécuriser. Oui, ou entreprise et, tout court. Il hein, y voilà, a un marché pour ça, c'est évidemment, c'est important. Encore un, un dernier petit truc. Allez, on continue. Hein. Allez. Alors, avec François, ça ne s'arrête jamais. Regardez, il va clé, avoir une clé USB clé mais un USB. peu particulière. Actuellement, il y a beaucoup de clés USB à double fonction, c'est-à-dire clé USB normale, mais aussi pour les smartphones et les tablettes. Alors celle-là que je tiens, c'est une. Ah oui. le... Celle-là, elle est rigolote. Alors voilà, alors. -là, Regarde, elle... Regardez bien cette clé USB. Regarde François. Oui. Fais-moi ton tour de magie préférée, voilà. Jérôme. Alors, donc, voilà. A, là, donc, c'est une clé USB ça, normale. C'est une clé USB normale. Hein. Et si tu as un iPhone, qu'est-ce que tu fais Tu fais ça. il oui, faut appuyer. Il faut ça. appuyer. Voilà. Hop voilà. Et, et elle là, peut se brancher sur un iPhone un ou un, un iPad. Il bon, y a un, un peu la lumière là. Ouais, voilà, D'accord. Ok. Bon, ça, c'est pas la nouveauté. Non, ça, ben. Comment ça C'est un nouveau modèle, puisque pour l'instant, moi, j'en avais testé un seul de chez Sandisk qui faisait la même fonction. Et là, donc, ce modèle-là, eh ben, elle mérite d'être un petit peu moins cher, puisqu'il est à 70 euros pour 32 gigaoctets. Non, cest dire, c'est pas le premier modèle qui fait ça. Non, c'est déjà. C'est pas le premier constructeur, mais là, l'intérêt, c'est que, voilà, la clé, je trouve, est vraiment abordable. Bon, il y a une vidéo sur Zero One TV, tu expliques tout ça en détail. Mais attends, mais Jérôme, il sort quelque chose encore de sa poche mais ça ne s'arrête jamais avec François Bedin. Restez avec nous jusqu'à 22h. Voilà. spécial disque dur et clé USB. Oui, parce qu'après, il va faire les de son de clé USB, donc à double emploi. Il a encore, c encore plus petit. Une <laughs> clé USB, c est c est que est clé USB qui est dotée du nouveau connecteur USB type C, qu'on va trouver de plus en plus maintenant et sur oui. les smartphones. Regardez du bout, ça. Voilà. C'est Kingston ce qui lance ça. Il euh, y a eu d'autres annonces, mais c'est la première qu'on peut vraiment acheter. Elle est, elle est en vente, elle coûte 20 euros pour 32 gigas, ce qui est tout à fait raisonnable. Et donc, elle peut être branchée sur un ordinateur ou sur un appareil doté d'un port USB type C. Euh, par exemple, bah, je ne sais pas, le nouveau Nokia qui va sortir et, ou le, un MacBook. Oui, voilà. le, le nouveau MacBook. Euh, MacBook Mais, il y a un, juste pouces. un problème, oui. c'est que comme ils veulent faire toujours des clés très petites, ça influe sur les performances, c'est-à-dire qu'en lecture ça va très vite, mais en écriture c'est lent. Bon. Ah c'est lent comme une clé USB 2. Et oui. là Donc, euh, Donc euh, ouais. on a fait des tests. Moi j'ai fait déjà des tests d'écriture euh, sur la partie USB normale et euh, ça écrit qu'à 15 mégaoctets par seconde, ce qui est vraiment euh, bah, décevant. 15 mégaoctets par seconde mais voilà. voilà. vous alors. savez quoi Regardez cette oh clé, non. on la jette. <laughs> voilà. Hop là C'est son jeu préféré, c'est pas grave. Faut, faut pas renforcé. Hein. Ah non, mais bon là, ça va... C est, c est, c est. Bon, oh, tu te verras avec le constructeur. Hein. <laughs> Elle est en trois morceaux Non, ça va aller. C'est pas grave. <laughs> bon. Voilà, mais en non. tout cas, c'est une Merci tendance C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus ce type de clés qui vont apparaître sur le marché. Merci beaucoup. Merci. François Beda du Labo. Bon, Jérôme, on a un petit peu débordé, mais là, c'était normal. Oui, vous nous avez tellement manqué pendant toute non, cette attends. semaine. Euh, on va peut-être terminer par un petit mot sur le sondage. Absolument. Zéro net Orange, vous le savez, vous pouvez réagir, répondre à notre question. On parle de Windows 10 ce soir. Alors, à retrouver écoute, sur 01nettv.com. Je récupère les données stratégiques euh de ce sondage. De ce sondage. Mais vous êtes quand même assez nombreux à avoir installé Windows 10 déjà. Exactement. Hein vous êtes 66,21%. Si l'on en croit ce sondage. Euh, pas encore, mais j'y pense. 15%. Je n'utilise pas Windows à 10%. Et je reste sur une version précédente à 7,5%. Et autres que tu aimes bien. <laughs> ce Zéro en live hebdo est terminé les amis, merci d'avoir été avec nous. Euh, je rappel, rappelons quand même l'annonce qui est tombée il y a quelques minutes de cela, hein, que vous avez pu découvrir ben, en direct. Ça y est, Apple a lancé ses invitations. Euh, la keynote où vraisemblablement seront présentés les nouveaux iPhones aura lieu le 9 septembre à 19h heure française, dans un lieu inédit hein, pour Apple, hein. là, ça va être une grande salle de concert. C'est important parce qu'il y a toujours un problème de place, et ce qui limite voilà. euh, notamment là, y le nombre de journalistes. Il y aurait 7000 places. Donc là, c'est bien, il y aura peut-être commence... plus de journalistes, notamment européens. Voilà, français. ça sera pas mal. Et puis peut-être qu'on peut, qu on, on peut s'attendre aussi à d'autres annonces musicales, hein, parce que c'est dans une salle de concert, on ne sait jamais. Mmh. On aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment, mais cette soirée sera à vivre sur Zéro net TV. Merci de nous suivre. On se retrouve bien sûr demain. On se retrouve très vite. Merci à Bérangère, Le Pesqueur, Jérôme Giliberto et Florian Beaufreton qui réalisaient ce Zéro Live webdo Rendez-vous bah, euh, dans tous les cas on la semaine vite. prochaine. Bien sûr. Portez-vous bien et bonne soirée à vous. Salut à tous.